Salut les amis, allez, on se retrouve sur les bourrelles. On va aller un petit peu dérouler avec Philippe. On est encore deux, ça permet de rouler un peu plus tranquillement et on va essayer un peu plus longtemps. Allez, ça part de là. Allez, après un petit kilomètre sur de la piste plate, se dérouler les jambes, c'est parti pour la très longue montée. Qui va nous ramener, putain je me rappelle plus comment ça s'appelle, ça va nous emmener en haut. Ça qui est bien avec les montées, c'est qu'en général ça nous amène en haut. Donc avec quoi, ben on déroule tranquillou. C'est là de la chance, c'est une DFCI, donc on peut trouver un rythme et se laisser porter. Bon, je dis ça en même temps, c'est celle dans la vidéo de reprise, c'est celle où quand je suis arrivé en haut j'ai dit stop, arrêt buffet, j'avais continué un petit peu sur le côté. J'essaie déjà truc, mais là bon, avec trois autres sorties dans les pattes, j'ai bon espoir d'arriver en haut et de continuer de l'autre côté. En tout cas, je vais tout faire pour. Du coup, on est avec Philippe, on a encore deux, heureusement, ça me motive à sortir. Et au moins, j'ai pas la pression de me dire que tout le groupe il attend, il y a que Philippe qui attend. Voilà. Allez, ben, on s'accroche et puis on se refait les canettes, hein. Tranquillement. Vous avez vu, j'essaye de pas lâcher. Allez, la citerne c'est fait. Je n'ai plus qu'à appuyer sur la dernière partie, mais ça va monter un petit peu plus et après tranquille. Jusqu'en haut. Allez, selfie avec la mer en fond, je sais pas si vous voyez. Ouh, ça y est, on arrive au bout de cette longue montée. 7 km 50. 240 mètres de dénivelé. On va le piquer quand même, j'ai mal aux cuisses. Hein. Mal aux cuisses. Mais bon, c'est fait. Là, je vous filme un petit peu, on va descendre sur une petite DFCI, histoire de se faire un petit peu les jambes. Et on va remonter de l'autre côté et aller chercher une descente un petit peu sympa. Mais qui va se mériter parce que on va monter encore. Comme ça. Ah, c'est malheureux qu'on n'ait pas de petits singles qui nous redescendent de l'autre côté. Allez, même si c'est pas très intéressant, on se refait un petit peu la banane là-dessus. Ça permet de détendre un petit peu les jambes. On reprend un petit peu le souffle, tranquille. Oh. Et puis après, comme je vous ai dit, on va remonter encore un petit moment. Elle va se faire un flanc de... Ah, c'était une caillasse. Un flanc de contour. Et puis après, une belle petite descente où on va se régaler un petit peu. Allez, on y est dans le petit tronçon de la Morquitue qui va nous ramener au flanc de coteau. Là. Je vous ai épargné toute la première partie de la montée. Bon, celle-là, je la fais sur le vélo. J'ai confiance en moi. Allez, on est dans le flanc de coteau là. On va aller attraper la descente. Oh, je suis rincé là déjà. Je m'inquiète un peu parce qu'il y a encore de la montée derrière. Tout ça pour rejoindre les voitures. Fatigué, on a fait 15 km, 420 mètres de dénivelé. Allez, on est dans la descente. C'est con que... Par contre, tu vois que je sois crevé parce que dans les descentes, je ramasse un peu. Tu vois, je suis pas lucide. Manque de lucidité. J'arrive à ça, normalement ça se descend à 2000. Mais bon, j'arrive pas, faut que je réfléchisse. Ça, c'est un peu frustrant aussi, tu vois. Ça c'est fait.
Non mais je sais. Allez, on continue. On n'a pas autant monté pour faire qu'une petite descente de merde. On va en profiter parce qu'après on va remonter encore pendant un long, 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 long moment. Alors par là, on va par où? Par là, ça descend. J'ai pas choisi le mieux. Ça a raviné là aussi encore. Hein. C'est les bras où j'ai du mal. Je regarde loin. Loin, loin, loin. Loin, loin, regarde loin. Pourquoi j'arrive un peu à tenir sur les jambes encore? Ça va, mais... Hashtag plus essoufflé en descente qu'en montée. Team Grolard, c'est moi. Ah, oh, ça fait du bien quand même. Même si ça fatigue, ça fait du bien. On est quand même mieux là qu'à faire la grasse mat. Des fois je me demande, mais on va essayer de s'en convaincre. D'habitude je descends là, mais là je me sens pas. Hop, non, pas par la route. Enfin, on peut, ouais. Oh, con comme il fait frais là. Allez, on change une petite montée cardio technique. Histoire de dépolluer un peu la machine. Moi j'aime bien ça là, je la fais chilling chilling, mais en général j'arrive à la faire tranquille. Je me rappelle pas avoir mis pied à terre dans celle-là. Ça fait du bien, une petite truc dur comme ça qu'on arrive à faire sur le vélo, ça rebooste. Par contre, faudrait pas trop que je force sur les cuisses parce que je les sens de suite gonfler. Allez, celle-là elle est faite sur le vélo comme d'hab. Pas été facile par endroit, tu vois. J'ai été un peu confiant, mais ça va. Ça c'est fait. Allez, il n'y a plus qu'à continuer maintenant. Allez, on a chanté la montée des FCI par un petit single un peu plus cardio. Mais c'est plus agréable, et puis c'est pas comme si on était un peu en forme. Autant que ça soit plus dur. Non ? De toute façon, il n'y a pas le choix. Tranquillement. Ah, ça descend un peu juste avant là. La prochaine longue montée. Enfin, c'est la, on va remonter ce qu'on a. La première petite descente en DFCI où je vous ai dit que j'ai récupéré. Là, on va tout la remonter du coup pour aller rechercher un petit single derrière. Moi bon, j'ai tout levé là. Je vais lever les culs de la selle. Je suis debout. J'essaye de détendre un maximum. J'ai le cul en sang. Je suis d'équerre. Enfin, on se refait avant la montée. Allez, c'est parti, dernière montée. Piou, piou, piou. On déroule tranquillou.
Puis le but c'est d'arriver en haut. Quand on aura fait ça, on pourra dire que la sortie est presque terminée. Il restera la descente et dérouler jusqu'aux voitures. Enfin, avant d'arriver à la descente, il faut déjà arriver en haut. Allez, en haut de la dernière montée, c'est gagné. J'ai même pu appuyer un peu sur les pédales à la fin. Super content. Allez, on se retrouve pour la descente. Allez, c'est parti pour la dernière descente. Bon, on la connaît celle-là. Celle-là, c'est une classique. Juste faire gaffe un peu le plus bas, là, c'est où je te disais qu'il y a la petite goulotte là. Par là, là, je sais plus où. Ça passe ça normalement sur le vélo, mais vas-y, vas-y. Allez, c'est reparti. On n'est pas courageux. On est téméraire, on n'est pas courageux. Je sais pas. D'habitude, je la faisais avant. Mais là, j'arrive pas à me mettre la tête dedans. Ça grissouille un peu. Ah, j'ai pas pensé que ça serait trempé. Et puis il m'a mis un trou là. Gagner de la vitesse là-dedans. Aujourd'hui, je suis pas allé très vite. Hein. Il dirait, je crois, la dernière fois non plus, je suis pas allé vite. Enfin, écoute, je suis pas à l'aise. Il n'y a pas de. Un jour, ça reviendra, et puis voilà. Allez, c'est terminèche. Terminares. Il n'y a plus qu'à dérouler jusqu'aux voitures. Tranquillou. Tranquillou. Allez, voilà. 35 km. 700 mètres de dénivelé. Eh ben, on y a laissé un petit peu des watts. Hein. On y a laissé un petit peu des watts, mais c'était bien. Bon, on continue sur cette lancée-là. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.